Déjà, merci beaucoup Francesca pour l'invitation. Moi, je suis Antoine et je travaille chez L'Oréal France dans l'équipe Media Corporate CMO sur tous les sujets search et programmatique. Donc, bonjour à tous, moi c'est Nabil, je suis trading directeur au sein de Publicis Media et ça fait 4 ans que je travaille pour les marques du groupe L'Oréal sur des problématiques retail media et branding. Et bonjour à tous et merci pour être là. Moi, je m'appelle Francesca et ça fait 2 ans que je lead la team des Pacview européenne. On a préparé juste une deuxième slide d'introduction par rapport à nos 3 marques et qu'est-ce qu'on fait. Du coup, je repasse la parole à Antoine, même si L'Oréal n'a pas besoin vraiment d'introduction. Oui, donc nous, chez L'Oréal, L'Oréal France notamment, donc, on est un des leaders mondiaux de l'hygiène beauté. Mais justement, un de nos enjeux, ça va être de rendre la beauté accessible à tous. Et concrètement, ça implique d'être présent sur le plus de canaux de distribution possible, tant en offline qu'en online. Du coup. Donc, moi, je fais partie de l'agence Publicis Media, qui accompagne le groupe L'Oréal depuis bientôt 16 ans. Donc, Publicis Media, c'est une agence média engagée pour une performance responsable, notamment à travers divers projets, particulièrement sur le Positive Media Project, mais aussi une grande communauté de data analystes, notamment avec son entité Epsilon. Et Pacview, peut-être c'est la boîte que vous connaissez les moins parmi les 3. On est un accélérateur de toute la partie e-commerce et on aide à la fois les marques et à la fois les agences à avoir des meilleures performances sous les retail media. Donc du coup, on a voulu un petit peu recontextualiser nos enjeux, enfin une partie de nos enjeux chez L'Oréal pour vous montrer en fait qu'est-ce qui nous a amené à choisir Pacview comme étant le partenaire privilégié de nos campagnes Amazon Search. Et donc du coup, pour repartir de zéro, j'imagine que beaucoup d'entreprises FMGC ont connu la même chose, mais concrètement, avec le Covid et la pandémie qui s'en est suivie, on s'est rendu compte qu'il y a eu une forte croissance de la demande de nos consommateurs donc, pour nos produits, tant sur nos sites de e-commerce en propre, donc nos sites D2C, que sur les e-retailers partenaires qu'on pouvait avoir. Et en fait, ce qui était assez notable, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une diminution de cette demande après le retour à la normale, mais en fait, il n'en a été rien. C'est-à-dire qu'on a eu cette croissance de notre sell-out qui a continué à augmenter donc, en 2022 et même en 2023, en fait, ce qui fait qu'on est vraiment à des niveaux qui ont explosé par rapport à 2019. Et concrètement, d'où viennent aussi ces chiffres extrêmement reluisants pour nous? Ils sont notamment tirés par la croissance de notre business sur Amazon.fr qui est aujourd'hui la plateforme, le e-retailer qui connaît la plus grosse croissance chez nous, tant et si bien qu'aujourd'hui, on distribue plus d'une vingtaine de marques qui appartiennent au groupe L'Oréal sur Amazon.fr. Et donc voilà, donc fort un petit peu de ce contexte et de l'accroissement de l'activité sur Amazon.fr, notre volonté avec Publicis notamment, ça a été de se poser ensemble et de se dire voilà, comment on peut réussir à améliorer l'efficacité de nos investissements publicitaires Amazon Search pour justement continuer à soutenir cette croissance e-commerce. Et c'est aussi du coup ce qui nous a motivé à choisir Pacview il y a de cela un an. Et donc pour parler en fait un petit peu des choix qui nous ont motivés chez nous L'Oréal France à choisir Pacview, je dirais qu'on avait
enfin, on a de manière générale trois gros enjeux dès qu'il s'agit de la gestion de nos campagnes sur Amazon.fr. Le premier, il va être surtout humain, c'est-à-dire que on va avoir donc Publicis Trading, donc représenté par Nabil, qui vont gérer au quotidien donc plus de 600 références. Ça représente environ plus de 1000 campagnes. Donc c'est un travail opérationnel assez lourd. Et vraiment l'objectif de tout ce travail autour de l'automation, ça va être justement de libérer le plus de temps possible pour les traders, pour en fait qu'ils puissent justement faire basculer ce temps qui est précieux sur des projets à beaucoup plus de valeur ajoutée, donc, comme par exemple accompagner nos marques sur leur stratégie Amazon.fr. Le deuxième challenge qu'on a, le deuxième défi, ça va être plutôt politique, c'est-à-dire que donc on va avoir donc plusieurs marques qui vont préempter des catégories de produits similaires. C'est-à-dire que si je prends des marques qu'on va pouvoir avoir comme L'Oréal Paris, Garnier ou Kérastase, pour ne citer qu'elles, elles offrent des shampoings. Et si en fait les positionnements de marques sont extrêmement différents d'une marque à l'autre, au final, il se peut du coup qu'elles se retrouvent sur les mêmes mots-clés, donc sur les mêmes carrefours d'audience. Et un de nos enjeux, justement, quand on a choisi PackView, c'était d'essayer de faire en sorte de réduire justement cette concurrence entre nos marques sur les territoires de mots-clés qui leur sont communs, par exemple un shampoing, le mot-clé shampoing. Donc c'était justement une des raisons justement du choix de PackView, c'est-à-dire diminuer du coup la concurrence entre nos marques. Et le troisième challenge qu'on a aussi, c'est l'accès aux insights, l'accès à la data, c'est-à-dire que grâce à PackView, on va pouvoir bénéficier de rapports automatisés, de vises qui vont être intégrées à PackView, et également en fait quelque chose qui nous est très cher, c'est-à-dire pas mal d'insights sur la position organique de nos marques sur des mots-clés stratégiques qui leur sont intéressants. Et pourquoi ça va du coup nous plaire à nous? Tout simplement parce que ça nous permet justement d'établir un petit peu notre position concurrentielle sur un set de mots-clés stratégiques. Et donc, pour répondre à ces trois défis, de manière concrète, comment on utilise PackView et comment on en tire tous les bénéfices? Donc, sur le premier levier, donc, tout ce qui est création et optimisation des campagnes, ça a vraiment facilité l'optimisation et le changement opéré au sein de campagnes de manière assez drastique. Donc, à travers un seul clic, on a pu mettre en place des modifications, notamment changer des enchères, blacklister des mots-clés, changer les objectifs de retour sur investissement. Donc au niveau opérationnel, ça a vraiment permis un changement. Tout ce qui est gestion du budget, celle-ci se fait de manière automatique. Donc, par exemple, on va fixer un objectif de coût par clic ou de retour sur investissement et l'algorithme va vraiment réallouer le budget sur les stratégies qui vont fonctionner le mieux. Donc, moins de changements manuels et plus automatisés. Il y a un dernier point, c'est la planification par tranche horaire qu'on utilise pour un objectif, par exemple, de lisser le budget sur toute la durée de la journée afin de ne pas rester sur sur une heure creuse, par exemple, sur laquelle on ne va pas diffuser, on pourrait potentiellement perdre une vente. Mais aussi, on peut se focus sur des heures sur lesquelles notre business est au plus fort et où l'intention d'achat est la plus forte. Le deuxième point, c'est, comme le disait Antoine, la prévention de la cannibalisation entre les marques du groupe L'Oréal. Notamment, par exemple, un L'Oréal Paris et un Garnier qui va vendre la même typologie de produits. Chacune des marques souhaite garder son territoire de marque. Donc, on a mis en place une liste d'exclusion intermarque, donc on appelle ça les sister brands, afin qu'elles soient automatisées. Par exemple, lorsqu'on crée une nouvelle campagne L'Oréal Paris, automatiquement, nous avons la liste d'exclusion des autres marques du groupe L'Oréal, afin que chacune garde vraiment son territoire de marque. Et le dernier point, qui est l'un des plus importants, c'est tout ce qui est reporting et analyse, notamment sur le premier point qui est
l'analyse de la share of voice, qui est l'un des points les plus importants et les plus regardés par les marques. Certes, on regarde tout ce qui est rentabilité, mais on allie ça aussi à la concurrence et la visibilité qu'a la concurrence au sein d'Amazon. Tout ce qui est reporting aussi, PackView nous a vraiment facilité la vie grâce au reporting vraiment assez complet et à la multiplicité des KPI qu'on peut sélectionner. Notamment tout ce qui est tableau de bord personnalisé qu'on a customisé avec les marques pour avoir par exemple une vision des produits out of stock, les produits les plus vendus, etc. On a customisé vraiment ces tableaux de bord selon le souhait de chacune des marques. Et merci Nabil. On va passer à comment PackView a supporté Publicis et L'Oréal avec ces challenges. On a pensé de vous donner des slides un peu plus visuels. Du coup, à la place de mettre des bullet points, on a juste partagé des captures d'écran de notre outil et à quoi il ressemble, et citant les différentes choses et les différents challenges que L'Oréal a. Du coup, la première partie, c'est création et optimisation des campagnes. Les deux captures d'écran que vous trouvez là-bas, c'est deux des leviers d'optimisation les plus puissante de notre plateforme. Du coup, toute la partie day parting. Du coup, les day parting, ça permet de modifier les enchères au cours de la journée. Et du coup, aujourd'hui, via Amazon, la seule manière pour les faire, c'est les faire manuellement. Via PackView, vous avez la possibilité de modifier ces enchères automatiquement via la data Amazon. Et du coup, augmenter vos enchères si vous avez les ROAS ou des ventes, etc., plus élevées, et les diminuir dans des autres moments de la journée. La deuxième capture d'écran que vous voyez, c'est notre librairie des règles. Les règles, c'est vraiment la partie clé de notre solution. C'est une manière pour optimiser les campagnes en ayant beaucoup de contrôle sur ce que ça se passe et avec des objectifs très spécifiques par marque et par sous-catégorie. Les deuxièmes points, ça va être les supports que PackView a donné sur toute la partie cannibalisation. Aujourd'hui, PackView opère dans les mêmes groupes de Ilium 10. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, mais Ilium 10 aujourd'hui donne énormément de data sur toute la partie search volumes et du coup une vision sur Amazon de quels sont les mots-clés les plus recherchés. Du coup, avec technologie PackView et technologie Ilium 10, on a notre share of voice aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la share of voice? Simplement, vous pouvez sélectionner un nombre de keywords que vous voulez traquer. Et chaque fois que quelqu'un arrive sur Amazon et tape un mot-clé sur la première page, on va faire une capture d'écran de la première page et reporter les résultats dans un rapport que Publicis et L'Oréal regardent quasiment tous les jours. Pourquoi c'est très important pour toutes les marques Fast Moving Consumer Goods? Parce qu'aujourd'hui, L'Oréal, mais ce n'est pas le seul cas, elle va avoir beaucoup de cannibalisation et elle va faire des enchères sur les mêmes mots-clés, même des marques différentes. Du coup, essayer de monitorer et de comprendre la part des voix organiques et paid et essayer de mettre un budget advertising juste si la partie organique n'est pas suffisante, c'est vraiment clé pour éviter d'augmenter les enchères énormément sur les années à suivre. Et après, on a une troisième partie, que c'est la partie reporting. Aujourd'hui, PackView a deux manières pour faire du reporting. Ça peut être à la fois des dashboards et à la fois des Excel. Sous la partie dashboard, on vous a mis deux captures d'écran. La première, c'est notre dashboard Sponsor Ads et DSP. Du coup, aujourd'hui, il est possible de voir très rapidement toute la partie Advertising, Sponsor Ads et DSP en combinant différentes marques. Du coup, L'Oréal peut avoir une vision cross-marque et du coup de tous les business sur des dates spécifiques ou elle peut simplement sélectionner une marque et comparer les deux investissements. Et juste après, on a mis un screenshot de notre dashboard classique où, en fait, on va donner des informations à la fois sur Sponsor Ads, à la fois sur Vendor Central ou Seller Central. Et toutes ces informations peuvent être filtrées via
quelque chose qu'on appelle TAG. Du coup, idéalement, vous avez des sous-groupes. L'Oréal utilise ça pour les sous-catégories, même pour avoir une différence entre sponsor produit, sponsor vente, sponsor display, pour la partie budgétaire. Du coup, ça donne énormément de visibilité et la possibilité de filtrer et avoir l'information que vous êtes en train de rechercher. On termine avec un best case qu'on a rajouté sur cette partie. Du coup, comme Nabil et Antoine ont déjà mentionné, on travaille ensemble depuis juillet de l'année dernière. On a décidé de ne pas mettre un best case sur l'année dernière et du coup sur les moments où ce partenariat a démarré, parce que du coup, les moments où une marque change d'agence, il y a énormément de facteurs et c'est un peu difficile de mettre ça avec des KPI sans considérer tout l'externe et tous les différents facteurs. Du coup, on a décidé de créer un best case sur Prime Day de cette année versus Prime Day de l'année dernière. Et du coup, pour démontrer comment PackView, ce n'est pas juste les moments où vous activez la solution, mais les plus on l'utilise, la plus sur les moyens termes, on met en place toutes ces stratégies, les plus les résultats sont positifs. Du coup, ici, sous la partie du coup, Prime Day et événement peak, on a utilisé trois, on va dire, gros leviers. On a utilisé toute la partie d'optimisation et de departing que je vous ai montré dans la slide précédente. On a utilisé notre outil de budget qui permet du coup de mettre un peu plus de budget sur les événements plus importants et pas de les répartir dans une manière égale sur tous les mois. Et on a aussi monitoré toute la partie share of voice pour être sûr d'être bien positionné à la fois en paid, à la fois en organique sur tous les meilleurs keywords. Et du coup, en termes de résultats, vous les voyez, on a eu énormément de genre 40% des retours sur l'investissement de cette année Prime Day versus l'année précédente, avec une augmentation également du click-through rate et du new to brand. Juste pour rappel, la partie new to brand est vraiment clé pour toutes les marques des fast moving consumer goods. Aujourd'hui, c'est vraiment important de déclencher un achat, mais après de garder ces consommateurs et de les faire devenir loyaux. Je passe du coup la parole à Antoine pour l'histoire de notre partenariat. Ouais, l'idée, c'est de prendre un peu de recul et de vous rappeler un peu l'historique de notre partenariat, donc ce qu'on a fait et tous les challenges qui restent à accomplir, notamment avec PackView et Nabil. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé donc en juillet 2022, quand Publicis du coup, a récupéré la gestion de toutes nos campagnes à la performance, dont des budgets liés à nos investissements sur Amazon.fr. Donc, on s'est tout de suite mis en ordre de bataille pour choisir un peu une techno unique à nos marques. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le choix de PackView. Et on va dire que le dernier semestre de 2022, ça a été vraiment... il a été vraiment dédié à onboarder chacune de nos marques sur Amazon, donc sur PackView, pardon. Donc beaucoup de process de recréation de campagne, de simplification, de règles à mettre en place. Et 2023, c'est vraiment l'année où on commence à consolider tout cela, donc à essayer de mettre en place beaucoup plus de règles de performance, donc par exemple de limiter le nombre de campagnes à micro-budget, de simplifier un petit peu tout ça. Et on a pas mal d'ambitions sur 2024, notamment avec PackView, qui est une techno qui se développe en fait, d'année en année, hein, notamment avec les retours que leur font leurs clients. Du coup, Nabil et Francesca vont parler de tout ce qui peut arriver, donc notamment en termes de mesures, et qui vous intéresser, je suis sûr. Tout à fait. Sur 2024, donc, les deux enjeux principaux, ça va être de continuer à faire de la croissance, donc garder un même niveau de rentabilité sur la totalité des produits du groupe L'Oréal, tout en maximisant la share of voice, donc garder un bon niveau de performance, tout en maximisant la visibilité et la pénétration du marché de la beauté sur Amazon. Ça va être aussi maintenir et continuer de soutenir les lancements de produits et toutes les innovations sur l'année 2024 et de garder le leadership sur le marché de la beauté sur Amazon. Tout cela en mettant en place toutes les best practices qu'on a appris et tous les learnings qu'on a dégagés de l'année précédente, notamment à travers des règles, par exemple, au niveau budgétaire,
avec des minimums budgétaires par campagne afin de ne pas diluer le budget entre un grand nombre de campagnes. Un bon mix format afin de correspondre à la stratégie de la marque. Par exemple, une marque à faible notoriété, on va plus pousser du sponsor brand qui va travailler la visibilité. Sur d'autres marques qui vont être bien établies, type Maybelline, on va plus travailler les formats bas de funnel, donc le sponsor product, etc. Ça passe aussi par un mix de ciblage qui correspond aussi à la stratégie du groupe, notamment tout ce qui est ciblage brand, marque, générique et concurrent. L'idée, c'est vraiment d'accroître la part de la prospection, donc tout ce qui est ciblage générique et les gros carrefours d'audience sur les différentes thématiques des produits promus. Ça passe aussi par une meilleure stratégie de classification des produits. Donc, y a l'aspect rentabilité qui est bien évidemment étudié par les marques. Donc, on va promouvoir uniquement les produits qui vont avoir une bonne rentabilité. Mais ça passe aussi par une analyse de la share of voice organique. Donc, par exemple, un produit qui va avoir une très faible share of voice, on va adapter le budget et on va le classifier dans une stratégie qui lui correspond. Et dernièrement, donc, à travers toutes les analyses qu'on a mises en place durant l'année dernière, on a établi un benchmark classifié par catégorie. Donc, par exemple, on a le make-up, le hair care, le skin care, etc. Et on va mettre en parallèle tout ce qui est retour sur investissement pour avoir vraiment la target ROS la plus proche de notre produit. Et du coup, pour terminer, on a rajouté comment PackView peut continuer à supporter L'Oréal et Publicis en 2024. On a trois choses principales à partager. La première, c'est Amazon Marketing Cloud. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la partie Amazon Marketing Cloud. Pour la faire très, très simple, Amazon met à disposition de la data que les annonceurs et les agences peuvent lire. C'est un database. Mais parfois, ça peut être très, très compliqué de lire ces databases. Via PackView, on peut lier ces datas à notre plateforme et du coup, donner accès à nos clients à une vision, on va dire, très, très facile à lire de toutes ces datas. Pourquoi Amazon Marketing Cloud aujourd'hui est clé pour le développement pour L'Oréal en 2024? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle est le seul instrument aujourd'hui à disposition pour vraiment comprendre les modèles d'attribution sponsorats et DSP. Du coup, ça donne énormément d'informations pour pouvoir faire les bons choix au niveau budgétaire et au niveau stratégique. Et la deuxième raison, c'est parce qu'à partir de cette année, Amazon Marketing Cloud est de la data actionnable sur la partie Amazon. Du coup, Amazon a donné la possibilité de créer des audiences DSP basées sur tout ce que c'est la data AMC. Le deuxième point d'innovation, ça va être l'optimisation du programmatique, du coup, du DSP. Aujourd'hui, en Europe, il n'est pas possible d'optimiser la partie DSP pour nous comme pour tous nos compétiteurs. Et ça dépend de certaines limitations côté Amazon sur la partie DSP API. À partir de fin octobre, ça c'est la date qu'Amazon a annoncée, Amazon va donner un nouveau DSP API qui sera global et qui du coup donnera à l'Europe les mêmes possibilités que sont déjà aux US. Du coup, ça va être une grosse innovation pour tout le monde parce qu'en Europe, pour la première fois, il sera possible d'utiliser un outil pour optimiser la partie programmatique. Et la troisième innovation, c'est un produit qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout mentionné, mais je le mentionne du coup dans les dernières trois minutes de présentation. Aujourd'hui, avec Antoine et Nabil, on travaille sur notre produit advertising, mais on a également un deuxième produit qui est vraiment sur la partie retail. Du coup, aide les marques, mais pas forcément les rôles d'Antoine ou de Nabil chez Publicis, mais plutôt toute la partie vendor manager. Du coup, gère un peu tout ce que c'est vendor central et seller central. Aujourd'hui, avoir ces produits, du coup, avoir la partie advertising des PackView et la partie commerce des PackView activée, ça permet de créer des synergies entre les deux produits. Et du coup, ça permet de pouvoir créer des règles d'optimisation advertising qui prend en compte toute la partie retail.
Exemple très, très bête, on peut mettre en pause tous les produits qui parlent à Buy Box, on peut mettre en pause toutes les campagnes du coup, de la partie advertising, tous les produits qui sont autostock. Et du coup, quand même, l'objectif, c'est toujours augmenter les performances et la profitabilité d'une marque. Du coup, on a juste une dernière slide. Vous pouvez scanner si vous voulez et ou passer à notre stand si vous avez quelques questions ou pour gagner du merchandising de notre côté. Et on a 5 minutes qui restent. Du coup, s'il y a quelques questions, on est ravis de les prendre.